Pour l'instant, nous n'avons pas encore reçu de salaire, mais en décembre, la République populaire de Donetsk va nous payer. Elle est encore un peu brinque-ballante, mais notre industrie du charbon tient la route. Alors détendez-vous et tout ira bien. À une profondeur de 1100, 1200, 1300 mètres, bien sûr, les obus ne nous atteignent pas, ni leurs fragments, mais nos familles restent à la surface. Nous ne devons pas y penser car nous avons besoin de travailler. Mais nous pensons à nos enfants, nos petits-fils, nos petites-filles, qu'ils ne tombent pas sur eux un obus perdu, qu'il n'y ait pas de malheur. Donc nous travaillons, mais avec le cœur inquiet.